Bonjour, ça va bien? Bienvenue sur le quotidien de Bruno. Regardez, je vais ramasser des petites mûres là. Il y a des mûres, j'en avais ramassé l'autre jour, mais pas beaucoup. Là, il y en a encore, regardez, des belles. Elles sont belles, hein. Je vous les montre. C'est dans mon terrain à côté. C'est le terrain de mon propriétaire. Elles sont belles, regardez. Il y en a encore des très belles. Faut en profiter, hein. C'est la dernière. Là, il n'y en aura plus. Faut vraiment en profiter. Hein. Je pense plus qu'il y en aura. Je sais pas s'il y en a beaucoup par contre. Je les découvre en même temps que vous. Je n'ai pas regardé bien. J'ai avancé comme ça dans le buisson là. Regardez, il y en a encore un peu là. On va essayer de les ramasser. Hein. Là, j'en vois un peu aussi, regardez. Il y en a un petit peu là, derrière. C'est piquant. J'aurais dû prendre mon sécateur. J'ai pas pris mon sécateur. Hein. Je vais m'en voir. Regardez, ça pique. Il y a des ronces hein, partout. Ah, c'est piquant. J'aurais dû prendre le sécateur quand même. Tant pis. On va faire comme ça. On va y arriver quand même. Ah, c'est dur. C'est très piquant les ronciers comme ça, oui. Il y a de la perte. Je les avais pas mangés. Je suis pas venu les chercher. Enfin, c'est pas de la perte, les autres ils en ont mangé. Les petits osios. Les osios en ont mangé, hein. C'est pareil. Ils ont bien le droit aussi d'en manger, les gros vieux. Hein? Se goinfre, ils ont raison. Si on n'est pas là, ben, ils se goinfrent. À notre place, voilà. Regardez, là il y en a une. Il y en a encore quelques-unes qui arrivent. Hein. Vous voyez? Il y en a encore des belles. Cette année, il n'y a plus. À force, elles grossissent. Ouais, le buisson hein, commence à. Il faudrait que je le retaille par contre. Là. Il faudrait que je pense à le retailler. Ouais, il faut que je le retaille quand même. Je vais peut-être pas les prendre plus bon. Après. Pareil que c'est dangereux. Alors on va pas le faire. Là j'en vois, regardez là-bas. Quelques-unes. On va essayer de les attraper. Il y en a encore un peu. Hein. Si on peut en faire quelques kilos. Regardez, il y en a encore un peu. Hein. Ils les ont pas toutes mangées, les petits osios. Il y en a encore, hein. Quelques-unes. Je vous montre, hein. Je les découvre en même temps que vous. Ça c'est des fruits de, vous voyez, du petit. C'est un petit. Comment ça s'appelle ça? Un aubépin, il fait des petits fruits aussi. Normalement, ça sert en médecine et tout. Et puis derrière, vous voyez, c'est du machin aussi, ça. Ça se mange aussi, c'est bien du poil à gratter. C'est des machins, des cynorhodons, ça se mange aussi. En confiture, c'est très bon, normalement. La confiture cynorhodon, j'en avais fait à mon frère une année. Il m'avait dit que c'était pareil, que c'était très très bon. C'était délicieux, il m'avait dit. Voilà, mais là, il n'y en a pas assez. Pour en faire de la confiture. On ne pourra pas, hein. Je pense pas. Hein, donc on va pas les ramasser, il y a deux trop belles. Il y en a trois, deux trop, hein. Il n'y en a pas ça. Faut laisser grossir le buisson. Au fil des temps, on pourra mieux. Là, regardez, j'en vois en haut. Là. Ça ramasse. Ça ramasse, hein. Ça se remplit vite, hein. On dirait pas. Hein. J'aurais pas cru. Que j'en aurais autant. Faut ouvrir des allées, vous voyez, dedans, je pense. Pour faire des passages. Ça m'arrache ma veste en laine. C'est embêtant. Je vais vous montrer. Je vais essayer d'ouvrir un peu mon truc, mon pied. J'ai peur qu'il tombe, mon truc. Là, regardez, il y en a deux, trois beaux. Deux, trois beaux fruits. Regarde ça, comme ils sont beaux. Regardez. Ils sont beaux, hein. J'en ai pas mal. Bah alors, c'est toujours ça. C'est pas énorme, mais c'est toujours deux, trois fruits. Voilà. Ah, c'est pour se faire une petite confiture d'été. Ça fait des confitures d'été, si vous voulez. Confiture d'été. C'est tout. C'est bon quand même. Là, j'en vois des beaux, regardez. Là, il y a une belle grappe. Hein.
Regardez, je vais vous amener le truc. Regardez ça. Hein, belle grappe, regardez. On pourra repasser dans quelques temps. Je vais les laisser au congélateur, je pense, c'est le mieux. Et puis dès que j'en ai un bon temps, je le fais cuire en même temps. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, je pense. C'est ça qu'il faut faire. Faut attendre. Hein. Faut savoir attendre. Faut pas être gourmand, vouloir tout manger le même jour. Je mangerai mon pot en fin de saison. Voilà. Faut être patient. J'en ai pas 10 kilos hein, de fruits. Hein. Je mangerai mon pot quand il faut, quand il faudra. Voilà. Il faut faire comme ça dans la vie. Il faut être patient. Vous voyez, j'en ai encore plein. Si je suis bien, normalement, si je fais bien gaffe, je devrais en remettre encore pas mal. Mais il faut que je vienne sans cesse, tous les jours. Je viens pas assez. Je viens pas assez, donc forcément. Je suis pas venu assez vite. Je pensais qu'elle mûrirait pas aussi vite que ça, mais elle mûrait, ça mesure. Tant pis. On va faire comme on peut. J'ai eu de la perte, hein, beaucoup. Ah, ça fait rien. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez? On fait ce qu'on peut. Hein. C'est déjà bien, on en a une bonne quantité. Regardez, je trouve que c'est pas mal. J'en ai 250 grammes, je crois. J'en ai un petit peu quand même. Le tout, c'est d'en avoir un peu. Juste pour manger une bonne confiture. C'est bon, ça, les murs. Moi, je laisse les petites graines. Hein. Je trouve que c'est bon. J'y passe pas, je les fais pas en... Je les fais pas, comment on appelle ça? En... Je les fais pas en truc. J'ai mieux comme ça, moi, les petites mûres. Je les aime pas trop en gelée. J'aime bien comme ça. J'y crains pas, franchement. Ah, ça me tire sur ma veste en laine, dis donc. C'est costaud. Hein. Ça, c'est carrière, ça, attention. Regardez là, je vois une belle touffe. Une belle touffe là-haut. On va essayer de l'attraper. Ce paquet. Je vais me faire plaisir. Regardez ça, c'est pas facile à attraper. Les plus belles sont loin, vous voyez, c'est dommage, c'est toujours comme ça. Les plus belles sont loin. Pas. On dit toujours faut aller plus loin, plus loin, on peut pas. Il y en a plus loin, on peut plus après. C'est dommage. Les plus belles sont inaccessibles. C'est bien dommage. Oh là, regardez, regardez là. Il y a un beau bouquet, je vais bien vous montrer là. Oh là là. Regardez ici. Oh là là, la grappe. Oh bah là, on va se faire une récolte. Croyez-moi que là, on va se faire plaisir. Vous les voyez? Je sais pas, il faut que je vous mette un. Dans un angle pour que vous puissiez les voir. Oui. Vous les verrez pas sinon. Pour vous puissiez bien voir. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Un peu de paquet. Qu'il y a. Il y en a un paquet. Hein. Regardez ça. Oh là là. Vous voyez? Il y en a beaucoup. Hein. Je vais te prendre l'appareil. En main. Vous allez mieux voir. Si j'arrive à l'attraper. On va prendre l'appareil. Regardez. Regardez ce qu'il y a. Oh là là, il y en a pas mal, hein. Je trouve, hein. Il y en a des belles. Oh bah là, j'en ai pas mal. Si je viens deux jours, là, suite, je laisse mûrir un peu. Hein. Si personne ne me les mange, là, je risque de faire une belle récolte. Hein. Je fais gaffe, il y a des sangliers. Je brille pas. Ah bah c'est costaud. Je vais être dans l'art. Tu comprends.
Regardez ça. Ce qu'il y a. Oh là là. Vous voyez? Je vous montrerai. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer la récolte finie. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Allez, la bise, à plus. Je vous montrerai après, quand ça sera terminé. À plus. La bise. Bonne journée à tous.